Du coup, on arrive au Ballon d'Or et moi je suis dans la salle, tu vois, je suis dans la salle, vous savez, où tout le monde est assis au Théâtre du Châtelet. Et il n'y a personne. Moi quand j'arrive, c'est vide, tu vois, je suis dans les backstage. J'ai la chance de voir ça en avance et je vois les sièges. Tu sais, les sièges avec. J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Eh, attention! Ruben Dias. Je vois Vitinha. Et après, je vois deux sièges vides. Je me dis, mais attends, c'est bizarre. Les deux sièges vides. Bon, Mbappé, il venait pas, c'était sûr qu'il venait pas, Mbappé. Avec les histoires qu'il a en ce moment, c'est. Voilà, il vient pas. Mais on me disait que normalement, il devait avoir Bellingham et Vinicius. Et ils ont retiré, du coup, ils ont retiré leur place. Parce qu'ils ont appris que la délégation du Real Madrid avait refusé de venir. Et moi, j'ai demandé. Cette année, c'est très bizarre. Le Ballon d'Or, il est très bizarre cette année, les gars. Très chelou. Ils ont boycott, mais les gars, le Real Madrid a boycott. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on m'a donné les explications. En gros, le Ballon d'Or, comment ça se passe? Chaque année, normalement, France Football, l'équipe là, ils contactent soit le Real Madrid, soit le Barça, soit le Paris Saint-Germain, n'importe quelle équipe, et ils les contactent, ils leur disent, ok, tel joueur aura le Ballon d'Or, venez à la cérémonie, tranquille, il va récupérer son trophée, tac, après ça fait semblant. En fait, le Ballon d'Or, frérot, tu le sais à l'avance qui a le Ballon d'Or. Là, Vinicius, quand c'est sorti 3 semaines ou 2 semaines avant, tu vois. Et du coup, le Real, ils ont dit à l'UEFA, parce que l'UEFA, je pense que l'UEFA, ils ne voulaient pas céder. Parce que comme c'est eux qui ont repris le Ballon d'Or, ils ne voulaient pas faire comme les autres années. Ils voulaient changer un peu le truc. Mais comme c'était sorti en public, c'était que Ballon d'Or, c'était pour Vinicius, le Real, ils ont dit, bah, du coup, dites que c'est Vinicius, dites-nous, comme ça, nous, on vient. Et l'UEFA, ils ont dit, non, on ne dit pas. Si vous voulez vraiment savoir si Vinicius aura le Ballon d'Or, bah vous venez, mais on vous dit pas. Et le Real, ils ont pas compris, ils ont dit, bah tu sais quoi? Si vous voulez vraiment genre faire la tête dure comme ça, bah on vient pas. Et je pense que l'UEFA était dans une situation un peu délicate, parce qu'ils ont dit, frère, ils peuvent pas venir, c'est pas possible, ils peuvent pas poser un lapin comme ça. Et je crois que, moi je suis arrivé à 17h30, c'est ça? Et c'était encore en suspens, on savait pas s'ils allaient venir ou pas. Et c'est pour ça qu'ils ont retiré du coup les noms sur les chaises de Bellingham et de Vinicius. Et je ne sais pas comment ça s'est fait. Est-ce que Rodri a eu un changement de dernière minute? Parce qu'on dirait que même Rodri, je sais pas si vous vous rappelez, mais la réaction de Rodri, les gars, le chat, vous vous rappelez Rodri? Comment il a réagi quand on a annoncé son blaze? Il était choqué. Normalement, Ballon d'Or, les mecs, ils sont pas choqués, ils savent qu'ils vont l'avoir, tu vois.